Salut les gars, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous partage, comme chaque semaine, le pronostic de la semaine. Cette semaine, je me déplace encore une fois en Liga espagnole dans le match Osasuna contre Sevilla qui a lieu ce dimanche. Alors, mon pronostic pour ce match, je mets fin au suspense directement, c'est Sevilla remporte ce match en draw no bet. Okay. Donc pas la victoire sèche, mais bien Séville en draw no bet. C'est-à-dire que si Séville gagne, je gagne mon pari. Si c'est match nul, je suis remboursé de ma mise. Et si Osasuna gagne, par contre, je perds ma mise. Alors, sur Flashcore, tout d'abord, premier aperçu. Au niveau des blessés, ou du moins des joueurs qui certainement donc, sont sûrs de ne pas jouer. On a trois blessés du côté de Osasuna et ce qui me rassure, c'est rien à signaler du côté de Sevilla. Il y a juste des joueurs, on va dire, incertains, mais là c'est difficile, je veux dire, de se baser là-dessus vu qu'il y a souvent des différences entre ce que Flashcore annonce comme joueur incertain et la réalité, la composition de l'équipe de départ en pratique. Donc, je me fie plutôt à cette catégorie-ci, des joueurs qui ne vont pas jouer. Alors, si ensuite je regarde les confrontations directes, donc si je regarde, pardon, d'abord la forme récente de Osasuna, eh bien là, il n'y a rien de spécial à signaler, elle est même plutôt bonne, okay, donc ça peut étonner hein, que je parie Séville, mais nous verrons pourquoi par après. La forme de Osasuna sur les 5 derniers matchs est vraiment bonne, je dirais, excepté sur le dernier match qui a été perdu à domicile contre l'Atlético Madrid. Du côté de Séville, eh bien, elle est aussi bonne, heureusement. Et c'est même, sur les 3 derniers matchs, c'est même 3 victoires à l'extérieur. Donc à l'extérieur, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'historique des confrontations entre les deux équipes, là encore, hein, historiquement, avantage à Osasuna. Même si sur les 2 dernières confrontations, donc une en 2017 et une en 2014, c'est Sevilla qui l'a remporté à l'extérieur. Au niveau du classement, donc Osasuna est 9e au classement. Alors que Sevilla est 3e, donc Séville est 3e au classement. Déjà un point très fort vu qu'être 3e au classement en Liga espagnole, ça équivaut vraiment à une top équipe. Il faut être très solide pour se classer 3e en Liga après 15 matchs, donc environ à mi, donc un peu moins que la mi-parcours. C'est pas mal du tout à un point de Barcelone, un point du Real, même si il est vrai qu'il y a un match supplémentaire pour Séville. Ben, chapeau pour Séville. Vu que c'est très très difficile en Ligue espagnole de se classer dans le top 3, hein, en considérant que les 2 premières équipes sont hors d'atteinte, je veux dire, c'est une position de champion pour Séville. Alors, comme à l'habitude, j'aime regarder, en fait, je me fais un focus et me concentrer sur les résultats à domicile pour l'équipe à domicile et à l'extérieur pour l'équipe à l'extérieur. D'abord, Osasuna, donc 9e. Au classement général, si je regarde ses performances à domicile, disparaît presque de l'écran, vu que Osasuna descend en 15e position. Donc, ce n'est pas une équipe super performante à domicile. Pourtant, on peut quand même voir qu'ils n'ont perdu qu'un seul match à domicile. Okay? Donc, ce n'est pas non plus catastrophique pour vous dire que voilà, le niveau en Liga est vraiment élevé parce que 3 victoires, 3 matchs nuls et 1 défaite les mènent en 15e position directement. Du côté de Séville, et c'est là que la statistique forte et qui m'a fait décider sur ce pari va se révéler à vos yeux. Séville est 3e au classement général, mais à l'extérieur, c'est assez extraordinaire. Séville est carrément premier. Donc, premier au classement, c'est-à-dire que
À l'extérieur, ils ont engrangé 16 points. C'est l'équivalent du Real, vu que le Real a 2 points en moins, mais un match de moins. Donc, en gros, c'est le Real à l'extérieur, quoi. Et c'est mieux que Barcelone à l'extérieur. Donc, je peux vous dire que les capacités, donc la force de Séville à l'extérieur, est très très élevée. Si on regarde le détail, sur 8 matchs, c'est 5 victoires à l'extérieur en Liga. C'est un match nul et c'est 2 défaites. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment la statistique forte de ce pari, c'est que Séville est la meilleure équipe à l'extérieur cette saison pour l'instant en Liga espagnole, ni plus ni moins. Ensuite, si je vais aller regarder évidemment, comme d'habitude, le tableau de résultats de ces deux équipes-là. Donc ici, petit résumé, hein, donc on voit que Osasuna est 9e et rencontre Sevilla qui est 3e. Par contre, on voit que si on prend en compte le fait de jouer à domicile extérieur, ben ce match revient à une équipe qui est 15e à domicile contre une équipe qui est première à l'extérieur. Gros, 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 grosse performance de Séville. Au niveau de la forme, également excellent, vu qu'on voit que Séville est première au niveau de la forme. Donc la forme, c'est les 3 derniers matchs. Séville est tout simplement premier, numéro 1. Si on prend les 3 derniers matchs à l'extérieur, Osasuna est 8e au classement si on prend ces 3 derniers matchs à domicile. Au niveau de l'attaque de Séville, là, elle n'est pas première, ok. Elle est 6e, ce n'est pas top top, ce n'est pas mauvais. Par contre, en face, elle va affronter une défense qui est 14e au classement, donc beaucoup moins bonne. Alors, je vais directement aller du côté de Séville. Alors, d'abord, un coup d'œil général. Ce qu'on peut voir, ce qu'il faut voir là directement, c'est que Séville, quand elle joue contre des équipes inférieures à elle, c'est-à-dire ici, eh bien, c'est une équipe qui n'a perdu qu'un seul match. Et la plupart des matchs sont gagnés, quelques matchs nuls et un seul match perdu. Donc, très bonne performance pour les équipes. Donc, quand elle rencontre les équipes inférieures au classement, hein, au-dessus, voilà, 2 défaites, Real, Barcelone, mais. Vous êtes bien d'accord qu'on ne peut pas comparer Real et Barcelone à Osasuna. Et donc, je peux sortir ces deux équipes hors d'atteinte. Je peux les sortir des statistiques pour ma part. À l'extérieur, vu que Séville joue à l'extérieur, ben on voit que c'est très très vert. Hein. Vraiment, le résultat est incroyable parce que je peux même retirer. Donc, je retire Barcelone, je ne regarde pas le déplacement à Barcelone. Mais pour les équipes inférieures, quasi que des victoires, un seul match nul et une seule défaite qu'on peut assimiler à un faux pas. Au niveau de Osasuna, voilà, 9e ici, je clique dessus. Alors, à première vue, on peut dire, ben, ça va, il n'y a pas trop de rouge, il n'y a pas trop de défaites. Par contre, si on regarde bien le niveau des adversaires, bien contre les adversaires inférieurs, c'est OK. Sincèrement, c'est OK. Hein, une seule défaite hein, contre les équipes de deuxième moitié de tableau, on va dire. Une seule défaite, beaucoup de matchs nuls et pas mal de victoires. C'est pour ça qu'Osasuna est 9e aussi d'un côté. Par contre, beaucoup moins performant contre les équipes supérieures à elle. Si on regarde, donc ici, Séville, n'oublions pas que Séville est 3e. Hein. Si on regarde les résultats contre les équipes allant de la première à la 7e position ici, c'est 4 matchs. Sur ces 4 matchs, c'est 2 défaites et 2 matchs nuls. À domicile, même histoire. Hein, donc à domicile, si on fait focus sur le domicile, ok, ça gagne et ça fait match nul contre des équipes de moitié de tableau ou des équipes du bas. Par contre, les deux équipes supérieures à elle, eh bien, elle a perdu contre l'Athletic Club Bilbao et a fait match nul, ce qui est pas mal, contre Barcelone à domicile. Autre chose pas mal, c'est qu'elle reste justement sur une défaite contre l'Athletic Club à domicile. Donc voilà, au niveau des cotes. Au niveau des cotes, si je regarde la cote du DronoBet, la cote moyenne pour la victoire de Séville en DronoBet est de 1,54. Si on prend William Hill, très bon bookmaker, c'est 1,57. Unibet.com, 1,56. Et donc on tourne aux alentours entre 1,54 et 1,57, disons. Alors, si je place ce pari sur Betfair via OrbitX, ce que je vais faire maintenant, je suis déjà sur le bon match.
Le marché de Renault-Bett n'est pas encore disponible, mais il sera disponible d'ici dimanche. Donc, ce que je fais, c'est que celui qui veut le placer à la limite directement aujourd'hui, il utilise le marché 1x2 ou Match Odds. Comment on fait? Disons que je veux placer 100 euros de mise. Je divise 100 par la cote du match nul, c'est-à-dire 100 divisé par 3,5, c'est égal à 28,57. Donc, je place 28,57 euros sur le match nul. Et le reste de ma mise, c'est-à-dire 100 euros moins 28,57, ça fait 71,43. Je le place sur la victoire de mon équipe, c'est-à-dire Sevilla. 71,43. Okay? Donc on voit bien ici, en cas de match nul, je n'ai ni perte ni gain. Ça veut dire en fait que ma mise est remboursée. Si Séville gagne, je gagne 61 euros, un peu plus. Donc ça correspond à une cote de 1,61. Donc comme d'habitude, Betfair est au top pour les cotes. Si Osasuna gagne, mais je perds 100 euros. Donc voilà, je recommence, je répète, je résume. Osasuna Sevilla, Liga espagnole. Ce match a lieu dimanche soir. Je vais miser, je vais parier sur la victoire de Sevilla en Dronobet. À une cote de 1,61 sur Betfair via OrbitX. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, ce pronostic vous a plu. Alors, ma question, c'est vous, par rapport à ce match, quel est votre pronostic? Êtes-vous d'accord avec moi? N'êtes-vous pas d'accord? Apportez-moi vos infos, apportez-moi votre avis, votre point de vue. Laissez ça en commentaire. Alors, pour vous remercier, eh bien, je suis content de vous annoncer que ma nouvelle formation Betfair est disponible. Il suffit de cliquer sur le lien qui se situe dans la description de cette vidéo. Alors, cette formation de Betfair, c'est quoi? Eh bien, en vidéo, je vais vous expliquer étape par étape comment accéder à Betfair depuis la France et la Belgique. Ensuite, c'est 3 vidéos de formation à Betfair pour vous expliquer le fonctionnement, pour placer votre premier pari et pour sécuriser vos paris. Et finalement, je vais vous offrir aussi, je vous offre dans cette formation, une stratégie gagnante, une stratégie que j'utilise au quotidien. Et cette stratégie gagnante vous permettra de gagner vos premiers euros sur Betfair. Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Bonne chance pour ce pari. Que la force soit avec nous et à bientôt.